Bonsoir mes guerriers. Donc ce soir, je vais faire un beurre, un petit beurre piquant quoi. Donc c'est cette plante qui a le goût de moutarde, très très piquant de la famille des choux. Il y a l'autre, c'est l'alière, c'est de la même famille. J'ai gardé les feuilles, donc feuilles d'alière. Celle-là là, c'est celle-là. Ail d'ours. Conifère pour ramener du citron et de la vitamine C. Je vais mettre de l'ail, le beurre et des anchois. Et ah oui, on va mettre de la moutarde aussi en pot. Donc on va s'affairer et je vais préparer aussi ma nourriture pour ce soir avec ça. Donc on fera la vidéo entière, quoi. Donc voilà, donc là je vais mélanger déjà les anchois, l'ail. J'ai mis un piment, comme vous pouvez voir, mais la moitié parce qu'il est très très fort. Je mettrai la moutarde après. Là, j'ai le jus de citron. On va le mettre. J'ai mis un citron entier. J'ai mis le balsamique, un peu d'huile parce qu'on va mixer ça. Et une fois que ce sera mixé, bon, je vais devoir remettre les autres herbes après parce qu'il n'y a pas, je peux pas faire en une fois. Il faut que je les mixe d'abord. Et une fois que ce sera tout mixé, le jus. Là, on pourra mettre le beurre, mais on va changer le pal parce que celui-là c'est pour découper. Donc, on va mettre le pal pour faire plutôt de la purée, vous voyez, pour mélanger. Et c'est le thé que j'ai fait hier. Enfin, je l'ai fait ce mois aujourd'hui. Donc voilà, c'est les herbes de hier, comme vous pouvez voir. Et ce thé-là, je vais le mettre dans le kombucha en fait. Je vais le filtrer et je vais le mettre pour le kombucha. Voilà, donc j'ai déjà mixé une fois, là je vais mixer une deuxième fois, j'ai rajouté la moutarde, j'ai rajouté de l'huile encore d'olive, un peu de balsamique parce qu'il faut que ça soit un peu liquide quand même pour le mélanger, et après on va mettre le beurre. Voilà, la purée est prête, on va goûter. J'ai dû rajouter du citron et du balsamique et un peu de condiment. C'est bien, il faut toujours le faire un peu plus puissant le jeu parce qu'on va mélanger le beurre et après ça va adoucir avec le beurre. Donc faites le corser. Elle est gourmande celle-là. Voilà, j'ai filtré le thé, vous voyez. Et c'est du thé gratuit. Normalement, moi, j'achète pas de thé. Normalement, j'ai du thé gratuit à l'année avec les plantes. Mais je me suis laissé un peu aller. Depuis quelques années, je n'ai pas récupéré cette plante. Mais bon, pour ma consommation personnelle. Mais comme vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'acheter de thé au magasin. Et tout ça, c'est bio. Et surtout, si vous faites du kombucha, vous allez voir, regardez. Là, j'ai déjà mis la moitié, hein, le kombucha il est là. Faut pas que je renverse quoi. Pas faire des conneries. Voilà. Hop. Regardez ça. Je vais laisser macérer à peu près 3 jours. Et puis ça va aller. Et l'eau, c'est pas l'eau du robinet, c'est l'eau de cette machine. Enfin, c'est l'eau du robinet, mais elle est filtrée. Et elle est propre à la consommation parce que l'eau du robinet c'est de la daube, c'est toxique, faut pas l'utiliser. Voilà. Bon, je vais continuer à préparer. Voilà les amis, je vais manger. Vous voyez qu'il y a que 400 grammes de beurre. On fait beaucoup quoi. On va se faire comme une tapas, un peu aux couleurs de l'italienne. Voilà. On va laisser les bords comme une pizza. Super. J'ai déjà tout assaisonné. Voilà. Ah, c'est bien comme ça. Hop. Les tomates. Sur le fond de son vaisseau, frappé dans sa cape noire, il nous revient bien plus.
Ah, ça c'est excellent quoi. Ça c'est de la nourriture, vous voyez, j'ai gardé aussi des anchois. Voilà. Ben voilà, c'est prêt. Vous voyez, je vous ai mis Albator. Car les belles années des années 80, tout ça, c'est fini. Et avec l'élection de Macron qui s'en vient, ben, tout notre passé va être effacé. Donc, profitez bien de cette nostalgie, car elle ne reviendra plus. Allez, les amis, je vais manger et faites les bons choix. Protégez-vous bien et surtout, pensez à vous. Allez, les amis. Bonne soirée.